Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de la série de jardinage. Et pour ce cinquième épisode, on va récolter pour la première fois de l'année les courgettes. Et donc c'est parti tout de suite après l'intro. Alors nous voilà du coup devant les courgettes, donc je vais vous faire faire un petit tour avant de passer à la récolte. Donc là il y en a vraiment beaucoup, donc c'est une des premières récoltes, j'en ai déjà cueilli une fois mais il n'y avait qu'une courgette. Et là du coup c'est la deuxième récolte mais il y en a vraiment beaucoup, donc on peut dire que c'est vraiment la première grosse récolte de courgettes. Il y en a quasiment une voire deux par pied, donc là il y en a un bon paquet. Donc je vais vous montrer tout ça un petit peu. Donc là, ici, vous pouvez voir qu'il y en a une. Déjà, je sais pas trop si vous allez voir avec le soleil. Voilà, il y en a une. Donc celle-là, elle est déjà bien prête à cueillir. Après, bah, il y en a d'autres petites, mais ceux-là, je les laisse. Du coup, le fait d'enlever la grande, bah, ça va donner plus de force aux petites pour grandir. C'est pour ça que des fois, quand il y en a beaucoup sur des pieds, comme par exemple ici, bah, j'en enlève beaucoup. Parce que là, vous pouvez voir qu'il y en a une, deux, trois, quatre... 5 qui sont déjà bien grosses, bien évoluées quoi. Donc je vais par exemple enlever celle-ci et celle-ci qui sont les deux plus grosses pour laisser de la force pour évoluer aux autres quoi, parce que sinon il y en a qui vont pourrir. Ici il y en a une également, ici aussi. Donc là c'est des courgettes vertes, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a encore une ici, ici il y en a 2-3, donc je pense qu'il y en a un peu plus d'une vingtaine. Donc dans ces pieds là il y en a un peu moins, là-bas pareil un peu moins, c'est surtout ici, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a, ici il y en a une par pied minimum, ici pareil, là-bas il y a quelques pieds un peu plus petits, là-bas où il y en a un peu moins. Mais il y en a quand même un bon paquet, donc je pense qu'il y a une bonne vingtaine de courgettes classiques. Et il y a également je pense deux courgettes rondes qui sont juste ici, j'essaie de vous les montrer. Je suis désolé si des fois on voit pas trop bien à cause du soleil, il fait vraiment chaud, c'est une des journées les plus chaudes de l'année aujourd'hui. Donc là voilà, deux courgettes rondes, il y en a une qui est déjà énorme, ça fait quelques jours qu'elle est à cueillir, mais je voulais tout faire en même temps. Donc voilà, là-bas derrière j'en vois une qui est encore qui est bien grande. Ici elle est plutôt grosse. Et au milieu c'est les citrouilles, les courgettes spaghetti, tout ça pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo nouvelle du potager. D'ailleurs si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à aller la voir. Et ici je pense que c'est la plus grande de toutes les courgettes, et il y a celle-ci qui est déjà pas mal, mais je pense que celle-ci je vais la laisser encore 2-3 jours. Moi je les cueille un peu plus grandes que ceux qu'on trouve en magasin, mais pas trop grandes non plus quoi, pour éviter qu'il y ait des graines à l'intérieur. Donc voilà, c'est plus simple pour les cuisiner. Après il n'y a pas à enlever les graines, tout ça, on peut juste les couper, ça va plus vite, donc faut éviter de les cueillir trop grosses. Donc là elles sont juste bien. Donc du coup vu le nombre de courgettes qu'il y a, je vais aller chercher une brouette et des cajots, et puis on se retrouve tout de suite pour la récolte. Donc voilà la charrette avec un cajot pour pouvoir mettre toutes les courgettes. Donc je pense que là avec le tas de courgettes qu'il y a, le cajot va être bien rempli. Mais bon, c'est pas grave, vaut mieux en avoir plus que pas assez. Donc je vais faire les premiers pieds avec vous, avec la caméra dans la main. Et ensuite je vous poserai sur le trépied pour les autres. Mais voilà, je vais vous montrer avec les premiers pieds. Donc on va faire en allant, celui-là, ils sont trop petites. Celui-là... je vais cueillir celle-là. Donc moi je cueille, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien, hop, comme ça, là je pense que vous voyez mieux. Donc je n'ai pas besoin de couteau, moi je cueille sans couteau, je prends la courgette comme ça, je la tourne une première fois, une deuxième fois, et hop, elle se décroche toute seule, parce qu'avant je faisais avec des couteaux, et en fait ça, ce truc-là il pourrit beaucoup plus vite quand on coupe avec un couteau, que là quand on coupe comme ça, en fait je pense qu'il s'arrache d'une bonne manière, et du coup il sèche. Donc ça, je trouve que les courgettes elles s'abîment beaucoup moins vite comme ça. Donc voilà, si ça peut vous aider, moi j'ai toujours fait comme ça, et les courgettes prennent pas trop de... enfin elles prennent beaucoup de temps avant de pourrir. Ensuite ici du coup le pied dont je vous disais tout à l'heure,
où il y a pas mal de courgettes. Donc celle-ci elle est déjà bien grande, celle-ci elle est un peu moins grande, mais je vais la cueillir quand même parce que tout simplement il y a d'autres courgettes en préparation et du coup ce sera pour leur donner un peu de force en plus, quoi, que le pied se concentre plus sur les petites que sur les grandes. Donc, hop, celle-là elle est cueillie. Donc vous voyez un petit peu la taille que je cueille les courgettes, pas trop grandes, pas trop petites, un peu plus grandes qu'en magasin et pas trop grandes non plus pour éviter qu'il y ait des graines à l'intérieur et qu'on soit obligé de les vider pour les manger. Voilà, une troisième courgette, pardon, celle-là elle est un peu plus grande. Hop, on va passer au quatrième pied et ensuite je vous poserai sur le trépied pour le reste. Hop, encore une belle ici. Encore une juste ici. Il y a une petite citrouille qui passe dessus. Tac, celle-là elle est pas pratique à cueillir. Elle est un peu derrière, faut que je passe ici. Hop, voilà. À une main, c'est pas super pratique. Hop, voilà, celle-ci. Oh, disons, elle est super grande celle-là. Je pense que par rapport aux autres, ouais, effectivement, elle est plus grande. C'est pas toujours facile de voir sur les pieds la taille. Donc voilà, du coup, je vais passer maintenant à tous les autres pieds. Je vais avancer un peu et on se retrouve quand je suis quelque part là-bas pour faire les dernières ainsi que les courgettes rondes. Donc c'est parti, je vous pose sur le trépied. Alors voilà, j'ai presque terminé de cueillir les courgettes, donc j'ai fait quasiment tous les pieds, il en reste deux où il y a des courgettes à cueillir, un pied de classique et un pied de ronde, donc je vais vous montrer ça. Donc là, comme vous allez pouvoir le voir, il y en a un petit paquet, il y en a vraiment beaucoup, je ne sais pas trop combien il y en a, je n'ai pas compté, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc ça fait 17 courgettes déjà, plus quelques-unes qui sont encore à cueillir, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc là vous pouvez voir qu'il y en a un peu de forme plus petite, donc c'est un pied qui me fait des courgettes petites comme ça, des naines. Elles sont plus larges mais petites. C'est un pied qui est juste ici, je vais vous le montrer. Il fait des courgettes plus petites. Vous pouvez voir que même les autres, voilà, c'est ce pied-là. Les autres courgettes sont plus petites aussi. Je sais pas pourquoi, mais bon, ça reste des courgettes. Et ensuite, je voulais vous montrer un dernier truc aussi. Si ça vous arrive sur vos pieds de courgettes, n'hésitez pas à faire la même chose. Donc, quand vous voyez des courgettes en train de commencer à pourrir, des toutes petites, il faut les enlever. Par exemple, ici,
Voilà, juste ici il y en a une, donc c'est là, donc vous pouvez voir que le bout est marron et tout mou. Donc ça, il faut impérativement, si vous en voyez, les enlever comme ceci, voilà, parce que bah déjà elles sont foutues. Et ensuite elles vont prendre beaucoup d'énergie quand même sur le pied pour continuer à pousser alors qu'elles sont foutues. Et en plus de ça, ça peut rendre le pied malade et ça peut aussi rendre tous les pieds malades. Donc quand c'est comme ça, il faut la cueillir et la mettre au compost pour éviter qu'elle contamine tout le reste. Et ça évitera de perdre complètement le pied, quoi. Voilà. Et donc on va tout de suite passer aux deux derniers pieds de courgettes, donc celui qui est juste ici et celui qui est là derrière avec les courgettes rondes. Donc c'est parti, donc ce pied là je vais regarder déjà s'il y en a, je ne sais même pas. Donc ici vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de courgettes. Celle-ci elle reste quand même, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Donc il y a beaucoup de courgettes, mais celle-ci elle reste quand même petite, donc je vais attendre un petit peu. Et vous pouvez voir qu'il va falloir l'enlever rapidement, celle-ci, parce que en dessous il y en a une autre qui se fait écraser, donc je pense que celle-ci j'attends encore 2 jours qu'elle grandisse et ensuite je l'enlève. Donc du coup pour ce pied là il n'y a rien du tout. Ensuite en courgette ronde il y a tous ces pieds là, mais ces pieds là il n'y a rien, donc enfin il y en a plein mais elles sont trop petites encore pour les cueillir. Donc ici on a vraiment beaucoup, je pense que dans quelques jours c'est pareil, il faudra que je fasse un tri, celle là il faudra l'enlever parce que là il y en a au moins 20, c'est énorme. Et ensuite là derrière c'est pareil, bon, il y en a moins sur les autres pieds. Mais il y en aura une ici à cueillir dans quelques jours. Mais donc ici sur ce pied il y a 2 courgettes rondes que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il va falloir les cueillir. C'est le même principe, je les attrape comme ça. Je tourne tout doucement. Et tac, on entend le petit clac. Elle est décrochée, voilà la première. Et ensuite celle-là qui est gigantesque. Hop, j'aurais même pas à la prendre dans la main tellement elle est grande. En plus avec la caméra c'est pas super pratique. Voilà. Donc celle-ci c'est limite une citrouille. Elle est un peu énorme. Hop. Donc du coup ça fait une bonne vingtaine de courgettes. Je sais pas exactement, je crois que j'ai dit 17, 18, je sais plus trop. Donc ça fait quand même un bon paquet de courgettes pour une première récolte. Donc logiquement les prochaines récoltes seront encore plus importantes parce que là c'est la deuxième. Bon la première fois c'était une seule courgette, là c'est la deuxième, vous pouvez voir ce que ça donne. Donc imaginez la troisième récolte, ça va être plutôt énorme. Donc je vous ferai peut-être pas une vidéo à chaque récolte, mais d'ici 2-3 récoltes, quand j'aurai une très grosse récolte à faire, je ferai certainement une vidéo. Et ensuite au centre c'est toujours la même chose, les potimarrons, les citrouilles, les courgettes spaghetti, qui ne viendront pas avant au moins le mois d'août. Peut-être que les courgettes spaghetti arriveront vers le mois d'août, sinon c'est au mois de septembre. Voilà. Du coup on a fait le tour pour les courgettes, on a tout récolté. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire c'est aller les mettre à l'ombre et au frais pour éviter qu'elles s'abîment, parce que là vu qu'on vient de les cueillir, si elles restent en plein soleil elles vont s'abîmer rapidement. Donc là il va falloir que j'aille les mettre au frais. Et donc comme ça après il n'y aura plus qu'à faire de la cuisine. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, à commenter, à partager, à aimer, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde.